Manon Aubry sera la tête de liste de la France insoumise aux élections européennes. L'occasion de se demander si la jeune femme de 34 ans a un lien de parenté avec une autre figure de la politique, Martine Aubry. Pas de surprise. Pour les élections européennes, la France insoumise applique en 2024 la même recette qu'en 2019, en nommant Manon Aubry tête de liste. Il y a 5 ans, la liste qu'elle avait conduite avait obtenu un peu plus de 6% des suffrages exprimés, permettant à 6 députés de siéger au Parlement européen. Un résultat qui avait été qualifié de décevant par Manon Aubry elle-même, le soir des résultats. Ce score n'a cependant pas découragé le parti, qui a décidé de lui maintenir sa confiance. Les Insoumis m'ont déjà désigné chef de file. Nous travaillons désormais à l'élaboration de la liste et les militantes et militants auront l'occasion de voter sur la liste dans son intégralité début mars, a-t-elle annoncé dans une interview accordée à 20 minutes. Pour rappel, il n'y aura pas une liste commune pour la gauche aux élections européennes. Jean-Luc Mélenchon l'appelait de ses voeux mais la proposition a été rejetée par les socialistes, les écologistes et les communistes. Manon Aubry, sa mère est une figure de la politique à Manon Aubry de rameuter large pour obtenir un meilleur score qu'il y a 5 ans. Elle devra par exemple convaincre les électeurs de Parti Socialiste, parti qui sera représenté par Raphaël Glucksmann, là aussi comme en 2019. Ce dernier devrait recevoir le soutien public d'un homonyme de Manon Aubry. En effet, en 2019, Martine Aubry s'était affichée aux côtés du compagnon de Léa Salamé. On parle bien d'homonymie, et de rien d'autre, Manon et Martine Aubry n'ont aucun lien de parenté. Celle qui représente la France insoumise peut cependant compter sur un soutien parental de poids, dans sa quête politique, Catherine Poggi-Aubry, sa mère, est membre du parti. Et était dans la liste des élections européennes de 2019, à une position cependant quasi inéligible.